test de Super Meat Boy, super jeu sorti en 2010 sur le PC, le Xbox et la PSN. C'est donc un petit jeu sympa, sympa qui rend hommage en fait au bon vieux jeu rétro. Alors c'est un jeu tout pixelisé et bien fun à jouer. Alors d'abord, dans les options, on vous montre comment jouer. C'est pas très clair, vous allez me dire. On peut remarquer que Bandage Girl plus Super Meat Boy égale Super Meat Boy content, puis une espèce de sparadrap égale point d'interrogation, et que les 6 c'est pas bien. Voilà, c'est pas cool. On fait les packs et on fait 6. Et donc on arrive, voilà, donc les deux montes principaux du jeu. Le premier, donc c'est donc la forêt, et le deuxième, l'hôpital. Alors le jeu commence avec une introduction un peu à la Street Fighter. D'accord. Donc le docteur Fetus, donc c'est le bonhomme en noir, vient kidnap Bandage Girl, la copine de Super Meat Boy. Qui littéralement veut dire le super garçon furieux. C'est génial. Donc vous voyez, vous avez 20 niveaux. Et pour en fait pour attaquer le boss, vous devez faire les 20 niveaux. Quoi. Mais vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre, vous pouvez commencer par le 4, le 9, et c'est ça qui est bien, il n'y a pas de. C'est pas linéaire, quoi. Vous pouvez le faire à votre façon. Alors le premier niveau est assez simple, donc il s'appelle Hello World. Voilà, ça c'est ça. Alors la musique est super cool déjà, donc Super Meat Boy peut sauter. Et voilà. Et le but c'est de rejoindre Bandage Girl à chaque fois de niveau. Et vous devez aussi récupérer des sparadraps, comme on l'a vu dans les options tout à l'heure. Et vous pouvez rebondir sur les murs. Alors vous pouvez sauter plus loin en mettant la petite image, c'est pas si vous voulez ou pas. Donc, vous allez me dire, oui, le jeu est super facile. Bah non, en fait. Parce que le jeu devient vraiment sadique avec vous plus on avance dans le jeu. Il y a des pièges à la con. Et puis il y a surtout aussi ah d'accord, donc il y a des pièges à la con, donc ça c'est assez, assez chiant. Et il y a un truc bien sympa dans ce niveau, c'est le voilà, c'est un jeu bonus en fait. C'est cool. Ça, bon, moi ça me fait penser un peu à un autre jeu, je sais pas si vous connaissez le jeu Fez. Il y en a qui vont rigoler avec le nom, mais ça s'appelle comme ça, excusez-moi. Hein. Qui est un nom de jeu indépendant qui est sorti il y a pas longtemps en fait. Niveau de ce truc. Ouais, je suis mort, c'est génial. C'est super. Non, je peux pas quitter parce que je vais mourir. Ce truc est conçu, est un peu assez vite, quoi. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Désolé, Super Meat Boy, mais le Bandage Girl est dans une autre zone. Donc, le jeu est vraiment bien sympathique à jouer. On finit sur la 3 du monde 2 qui ressemble à Castlevania. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Allez, salut tout le monde!